Mais quand il y a là, mais qui a eu sous sous dia, si nous t'a gagné dès nous t'a capable dit défenseur de droits humains en face nous, il était capable accepter avec ou leur dit que c'est pas le fait que mon gars 10 ans en prison, ben on n'a pas d'années en prison, il méritait libéré parce que de toute façon la loi est claire. Si procédure là pas respectée, si procédure ou du moins la loi pas respectée, est-ce que moun sa, si la justice ou du moins la loi mandé automatiquement que moun nan gen tant 48 heures en prison, li pas passé devant juge ou ben li pas li gen 10 ans en prison, li pas passé devant juge, sinon ta à l'égard des droits humains, des droits de l'homme, est-ce que moun sa li pas, est-ce que le pas doué libéré? OK. Alors, l'homme dit 5 ans, 10 ans, c'est une façon de parler. Mm-hmm. OK, c'est une façon de parler. Et moi-même, c'est un homme qui bat en pile pour que nous ayons une mesure pour nous mettre un délai raisonnable. C'est ça traité avec la Convention internationale. Il faut que tout le monde qui est arrêté ait jugé dans un délai raisonnable. C'est soit nous jeunes, un juge qui garde le courage. Lorsque mon par exemple 4 5 ans pas qu'à juger pour raison parce que l'État pas qu'à mettre mon en prison pour l'État pas qu'à juger mon ça. Est-ce que là maintenant mais la loi prévoit il faut qu'il y ait un délai raisonnable que nous ne pouvons gagner station. Maintenant il faut qu'il y ait une loi par exemple au Canada il y a une loi qui déclare dès que juge dès que un citoyen passe plus de 3 ans c'est les bas où c'est jugé, c'est bien doit être libéré. Ouais. Parce que le Canada, by tête li, délai raisonnable, c'est 3 ans. Concept ça, délai raisonnable que vous venez avec là, là nous t'as capable de dire, si nous comprenons bien, c'est ou juger que 48 heures là, li pas. Non, 48 heures, écoutez. 48 heures, c'est lorsque vous perdu la liberté. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Et ma profite de dire ça, pour arrêter en Haïti, la loi constitution prévoit qui j'ai pour arrêter en Haïti. Pour arrêter, et soit que vous commettez une infraction sur le champ, ça nous relève un flagrant délit. Le ça, vous arrêtez. Deuxième façon capable perdre la liberté, c'est lorsque une autorité légalement constituée qui émet un mandat d'amener ou d'arrêt, qui rédige en français et en créole avec le ou les motifs de l'arrestation. Mais Mekayo, qui autorité qui gagnait et prérogative ça dans chaîne pénale. Gagne une grande autorité qui est capable d'émettre des mandats d'amener, mandat de comparution, mandat de dépôt et même mandat d'arrêt. Qu'on grande autorité qui gagne l'attitude ça la loi mal possibilité ça, c'est le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction. Cependant, la loi bail commissaire gouvernement possibilité pour émettre un mandat d'amener. C'est si également le un crime qui commet, commissaire gouvernement a sous les lieux, le rivé, la clameur, le pas jeune moun yo dit fait infraction, hein? La clameur publique poursuivre moun pour dire c'est moun ça fait infraction, hein? Depuis nous en flagrant délit, commissaire gouvernement capable émettre une ordonnance que il est au mandat d'amener. Elle dit la police al chercher moun sa yo dit fait infraction menel ban. Même possibilité ça li attribué au juge de paix. Là si commissaire gouvernement rivé sous les lieux pendant que gen crime nan, li ta joindre moun nan, la prendre une ordonnance de prise de corps, la mandé nan prison kembe moun sa pour moins. Et la loi al pi devant pour le dire. Même l'ordonnance de prise de corps émise par le commissaire du gouvernement, ce n'est pas un mandat de dépôt que lié. Moun s'arrêter en état de mandat d'amener sous la main de la justice. Est-ce que vous retenez ça? Donc, le commissaire du gouvernement a deux possibilités. Mais malheureusement, loi l'a parqué à longueur de journée. Le commissaire du gouvernement a mis un mandat d'amener. À longueur de journée. Bon, la loi dit c'est seulement et seulement en cas de flagrant délit. Gen flagrant délit, commissaire gouvernement capable d'émettre une ordonnance de prise de corps.
le juge de paix, qui est l'auxiliaire, peut le faire. Seulement en matière de flagrant délit. Al garde tribunal de paix, yo. Comment y a bien madame ni à tout bout de champ. Et des fois, le juge de paix est tellement excédé dans le pouvoir, yo. Yo qu'on évite au monde là qui a sous simple lettre d'invitation, qui est bien en prison. Donc, c'est pour vous dire que, je pense que, pas un système qui fonctionnait sans que pas gagner des superviseurs, pas gagner des inspecteurs. Maintenant, moi-même, effectivement, la loi qui crée CSPJA prévoit qu'il faut qu'il y ait des inspecteurs. Même dans ce cas, ce que Mégo Métel fait beaucoup plus dynamique. Mettez des inspecteurs. Quand dit, qui surveille le surveillant? Il faut que le surveillant, il faut que le monde le surveille. Sinon, on a toujours glissé dans l'arbitraire. Parce que le juge n'a pas la latitude, n'a pas la capacité, n'a pas l'autorité d'émettre des mandats d'amener en dehors des cas de flagrant délit. Mais si juge, juge de paix surtout, nous sommes capables de dire commissaire du gouvernement, yo, substitut, si yo pas gagné, si la loi alors spécifique sur comment que moun sa capable émettre des mandats ou du moins pour les commissaires des ordres pour les commissaires nous ta capable di des ordonnances de prise de corps des ordonnances de prise de corps mais j'en saute dit à longueur de journée moun a arrêté soit par mandat d'amener commissaire du gouvernement, substitut surtout, ou bien mandat d'amener juge de paix. Et ceci pour n'importe simple bagaille, pour n'importe simple infraction, que ce soit bon. J'en suis dit aller plus loin, même juge de paix qui vaut une invitation, bah, au monde, mon envie, mais venir pour une invitation, juge de paix choisi, mettez-le dans garde à vue. Comment ou comprendre ça, et comment que nous capables. Nous sommes capables de remédier avec le problème ça yo pour ne pas répéter dans le système nan, parce que vous faites mal avec le système, vous faites mal avec la société. Oui, je suis d'accord. Vous faites la société en pile. Parce que même généralement, les gens font ça, il faut qu'on gratitude du juge de paix. Généralement, les juges de paix qui sont bon monde, ils font ces mounes à négocier. Moi, vous devez le son kidnapping judiciaire. C'est son kidnapping judiciaire. Comme on comprend, nous avons différents au monde. Ou invite une tranche différente avec le monde, ou revient au Kimbem et pour dire à négocier à monde. C'est comme si c'était Kimbem et comme si c'est n'importe qui kidnappeur qui était Kimbo. Maintenant, comment y remédier? Ça, c'est tout le monde qui connaît. CSPJ connaît, nous autres avocats nous connaissons. Et... Maintenant, comment y remédier? Ou qu'à remédier de deux manières, pour moi. Tout à l'heure, il faut que on mette en branle le système de l'inspection. Il faut que vous mettez un système d'inspection qui a inspecté. Je ne parle pas de la juge là. Je parle de la carrière. Chaque greffe a un registre ou il y a des registres. Il faut que vous m'amenez. Il faut que vous mettez un inspecteur par la greffe tribunal là pour le qui ça qui motive à son juge là. Qui fait mon envoi à ton. Mais juste avant que vous entrez dans ça, si vous permettez, ouvrir une parenthèse, ça met yo. Ou parler que chaque greffe, que ce soit parquet, que ce soit tribunal, yo, yo gagne des registres. Oui. Mais, en même fois, il y a un mandat qui émet parquet, le roi va le garder dans le cas où il n'y a pas de trace dans ça. Généralement, n'importe quel parquet fait de ça un secret. Il est difficile pour que parquet émette un mandat pour qu'on ait. Bon, sauf peut-être. Et comme de nos jours, il y a tout sur les réseaux sociaux. Mais généralement, c'est difficile pour le parquet. Parce que les gens qui connaissent le registre, ce n'est pas facile pour le tabouet que les gens d'amener qui émettent. Bon, je ne comprends pas pour ça. Bon, je comprends pour ça pour éviter à ce que ce soit fuite parfaite, etc. Mais ce que je voulais auditeur comprendre, les spectateurs voulaient comprendre, c'est que le parquet. Non, juste avant d'avancer, métier. Parce que là, nous voulons clair et nous voulons auditeur clair sur les tout. Ça c'est le moun kap gère registre pa bay avocat ou pa bay accès pour garder registre mais certaines fois mandat émettre ou registre côté que pour mandat passer à donc aller diviser pour registre ou et yo vérifier pour avec
moun ki responsable a vérifier avant mon power mandat passé là donne bon, par exemple bah fait, si bah nous prenons excusez pas bah faire débat ça avant mais moi connais que c'est difficile pour pas qu'il mette au mandat pour que ou même comme avocat intéressé à pour connaître ça très difficile très difficile bon si gars pour instant pas qu'il heureusement vous dit difficile heureusement oui, dit pas difficile c'est pas impossible c'est impossible justement même connais c'est très difficile pour que pas qu'il mette au mandat pour que ou même qui avocat intéressé à vous connaître. Bon, c'est normal que donc on est pour la bonne raison ou qu'a fondé démarche auprès du même commissaire ou bien du commissaire en chef parce que pour de vous montrer commissaire pas qu'il flagrant délit, il n'y a pas lieu à émettre un tel mandat de commissaire en chef. Donc même du commissaire en chef alors son c'est on mal parlé le commissaire parce que pas oublier on appelle le commissaire, il y a le commissaire et ses substituts. Donc le commissaire une fois que vous côté commissaire ou à poser problème non ou montrer pas de faire un délit si son commissaire qui résonne avait résonné la rentrée la bon souci à madame ça et ça fait me dire que des fois les comptes difficiles monde qui n'a pas cœur pas tellement dire si oui ou non mais par contre mandat ça cahier ça registre ça supposé ouvrir comme n'a pas eu de parquet supposé ouvrir à l'inspection judiciaire et à l'inspection du ministère de la justice parce qu'il y a juste une section qui est inspection judiciaire. C'est travail ça que tu as dû faire. Mais c'est là pour nous commencer à remédier. Vous comprenez? C'est là pour nous remédier. C'est chaque fois qu'on commet ce qu'on est un père, on prend sanction contre lui. On prend sanction contre lui, clair. Parce que pas un pays qui marche sans régime de sanction. Si on commet ça, il n'y a pas qu'à l'ouel, il tombe arrêté, il tombe là, il fait tout des autres qu'il voulait, en n'est pas arrivé. C'est sûr, moun ki la yo, y a suivre et nos gouvernances suivent. Maintenant, ça c'est une première façon pour remédier. Il faut que yo dynamiser l'inspection judiciaire. Et dans CSPJ, comme les juges assis dépendent directement du CSPJ, que CSPJ dynamise le système d'inspection judiciaire. Au niveau du parquet, que le ministère de la Justice dynamise le système judiciaire. À partir de ce moment-là, ou commencer à prendre des sanctions contre des magistrats assez ou debout. Deuxième façon pour remédier, c'est nous autres avocats qui sommes supposés remédier. C'est nous autres avocats. Parce que la loi est claire, la constitution est claire, article 24, 25 et suivant, il dit, quel que soit un monde qui est victime, côté que un monde a tenté à liberté, ou qu'a poursuivi à quelque corps qu'ils appartiennent. Mais c'est nous autres avocats. Pour que nous, au moins, parce que les avocats sont très complaisants à l'égard des magistrats. Pour qui ça? Parce que je suis avocat, je vis exclusivement de la profession d'avocat, maintenant je n'ai pas intérêt à mettre un juge en face de moi. Et malheureusement, les juges, ils sont solidaires même dans le mal. Si on a fait un juge là, c'est comme si c'est système non regarde. Justement. Maintenant, aucun avocat obligé à protéger tête, protéger tête li. Parce que s'ils vivent de ça seulement, ils sont obligés pas qu'exposer. Et pourtant, dans la réalité des choses, ce n'est pas tête qui la protéger. Ils pensent la protéger. Ils ne peuvent pas rentrer parce que n'importe leur victime. Justement. Victime d'arbitraire magistrat. Donc, par conséquent, c'est ça qui peut arriver. Fait. C'est deux façons pour nous remédier avec écart magistrat. Soit, mon nom n'est pas facile. Il finit violer les droits de mon nom. Ou assigner au tribunal. Ou bien, autorité prend les sanctions qui s'imposent. À ce moment-là, les ça, son commissaire ou elle prend telle sanction contre tel commissaire, c'est sûr. Après, je colle. En pilote, après réfléchir avant que vous posiez même actes ça. Et c'est comme ça lié. Parce que pas un système qui marchait sans un régime de sanctions. Vous comprenez? Donc, alors, pour montrer dans le sujet, hein, on n'a pas eu d'attribution au commissaire gouvernement. Donc, nous montrer que le commissaire gouvernement, c'est une autorité même j'ai à avoir avec nous. Tout comme la police c'est autorité même j'avais ma volée, la police qui a agi, qui a interpellé seulement et seulement en matière de flagrant délit. Mais que nous, des fois, des CPJ qu'on fait des écarts, à émettre des avis de recherche, à faire des choses, maintenant, et c'est des choses, vous pensez que, et comme on dit tout à l'heure, c'est nous autres avocats qui pouvons prendre disposition pour que ou un client qui est victime d'un policier, d'un juge de paix, donc comme c'est vraiment qui aura signé directement, fait le petit job lui et fait le pont prison tout.
Suivez tous les dimanches, 6h PM, l'émission « Droit sur changement ». Droit des affaires, droit du travail, droit civil, enfin, le droit, c'est sûr. Changement FM, avec Maître Jean-Hulbert Jean, avocat, politologue. Droit sur changement, tous les dimanches, 6h PM, sur la radio Changement FM et sur la TFOREV, chaîne 48. Droit sur changement, le droit sous un autre angle.